Donc Touré, Aladji, Mustapha en est l'initiateur. Et le président national. Nous, membres du mouvement, nous nous tenons devant vous ce jour pour tout d'abord demander pardon à la nation ivoirienne, au président de la République, notre papa Ado, et à tout son gouvernement, et également aux instances de la République. Tout en déplorant l'acte et non loin de contribuer à en encourager de telles attitudes, nous demandons l'indulgence de notre papa Ado et celle de la justice pour notre aîné, le président Al Mustapha. Nous souhaitons que les erreurs de l'homme ne prennent pas le dessus sur son engagement pour la culture ivoirienne, son sens de patriotisme, son soutien indéfectible à l'endroit de la jeunesse ivoirienne et de sa détermination à œuvrer pour la paix dont le mouvement Zéro Victime en est la preuve palpable. Aussi, nous demandons pardon à nos papas, Téné Biraïma, ministre d'État, ministre de la Défense, et Amadou Koné, ministre des Transports, de nous venir en aide en s'impliquant pour la libération de notre cher grand frère, notre président Al Mustapha, au regard de tout ce qu'il a accompli pour de nombreux jeunes et en faveur de la paix pour cette Côte d'Ivoire qui nous est si chère, afin qu'il recouvre la liberté. Enfin, au grand frère et président Al Mustapha, nous te demandons de rester fort, comme tu l'as toujours été. Et nous prions Dieu le Père, afin qu'il facilite cette épreuve que tu traverses. Comme le disait l'autre, n'arrive aux hommes que ce que Dieu a permis. D'une grande humiliation peut découler un grand honneur. Puisse Dieu te fortifier. Notre présence devant vous n'exprime rien d'autre que des mots de doléance et l'espoir d'une seconde chance car l'erreur est humaine. Vivement qu'une suite favorable soit trouvée. Merci à tous et à toutes pour votre implication, votre soutien de loin comme de près pour notre président Al. Nous vous remercions et nous savons compter sur votre grand cœur rempli d'humanisme. Merci.